Aujourd'hui les amis, c'est ma première journée en tant que vendeur de pizza et vous allez voir, ça va être plutôt cool. On va vendre des pizzas ensemble et surtout on va essayer d'apprendre le métier. Mais avant que la vidéo commence, il y a 1000 Robux à gagner. Alors pour participer, c'est très simple, vous avez juste à être abonné à la chaîne et activer la cloche des notifications, mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Et ensuite, dès que vous avez fait ces deux conditions, vous participez pour gagner les 1000 Robux. Alors bonne chance à tous et j'espère que c'est toi qui regardes la vidéo qui aura les 1000 Robux. Et n'hésite pas à partager la vidéo un maximum pour que tes amis puissent aussi participer. Bon, je pense qu'on va vite rentrer parce que regardez comment il pleut. J'ai pas envie d'être trop mouillé. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais en plus, j'ai mon t-shirt édition spéciale qui est disponible en vente et vous pouvez aussi vous l'avoir. Regardez comment il est trop beau en multicolore. Alors, si vous aussi vous voulez l'avoir, bah c'est très simple. Vous rejoignez mon groupe Roblox Zartek qui se retrouve dans la description. Et il y a plein de t-shirts à acheter, vraiment pas cher. Et en plus, regardez comment ils sont trop beaux. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur mon groupe Roblox et dans la boutique. Bon, regardez, du coup, c'est juste ici. Donc, mon patron il m'a dit que bah il arriverait un peu plus tard. Donc, je vais devoir commencer à faire les pizzas sans lui et bah tout simplement j'espère avoir des commandes. Ah les amis, je crois qu'on reçoit un appel. Attendez, je vais décrocher. Oui, allô? Oui, bonjour madame. C'est pour acheter une pizza? Ok, ok. Bah je vous fais une 4 fromages d'ici 10 minutes. J'arrive. Et votre adresse, c'est laquelle? Ok, d'accord, merci beaucoup. Bon, du coup les amis, j'ai une 4 fromages à préparer. Du coup je vais aller directement en cuisine. Et surtout ce que j'ai oublié, c'est bah, de changer mes affaires. Parce que là depuis tout à l'heure j'ai gardé mes affaires normales. Donc il va falloir vite que j'enfile mon tablier. Ok les amis, c'est bon, je peux éteindre le four et surtout prendre ma petite pizza. Donc là normalement on est encore à l'heure. Donc il nous reste à peu près je vous dirais 2 minutes pour aller la livrer. Donc on va vraiment se dépêcher. Bon allez, c'est parti, on va aller livrer les petites pizzas du coup à la madame. Alors elle m'a donné son adresse, normalement c'est sur la gauche. Alors je vais directement y aller. En plus regardez, j'ai sorti le scooter de compétition. Regardez-moi un peu le bolide. Bon du coup j'ai mis la pizza dans ma poche bien sûr. Et ensuite on va la ressortir. Alors du coup normalement c'est ici. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc je vais garer mon petit scooter ici pour pas qu'il pleut du coup dans mon scooter. Ok, c'est bon. Oh mais regardez, elle est déjà là la madame. Ok bon, je me sens un peu observé mais c'est pas grave. Je vais ressortir mon petit parapluie et on va aller livrer la pizza. Bon j'imagine que c'est vers ici la porte. Ouais, ok. Bonjour madame. Rentrez, il pleut. Ouais, bah si vous voulez, après là je suis abrité, hein, vous inquiétez pas, hein, y a pas de souci. Hein. C'est moi pour vous donner la pizza. Et aussi, y a un bonus. Vive, venez les déposer. Ah, d'accord, bon, je rentre. Je peux déposer mon parapluie ici ou pas? Oui, bien sûr, ok, bah je mets juste à côté de votre plante. Hop, voilà. Ok, bah franchement, super maison. Vous aimez bien l'automobile, c'est ça? Ok, bah moi aussi j'aime bien tout ce qui est voiture et tout, franchement c'est très jolie maison. Oh, en plus les jantes là, mais en plus celle-là c'est celle que je voulais pour mon anniversaire. Waouh, bon, ça c'est vraiment cool. Bougez pas, je vais chercher de la monnaie. Ok, bah pas de soucis. Oui, mon père est concessionnaire. Ah ok, il s'occupe des voitures. Bah du coup je vous laisse les pizzas ici sur votre table hein. Ok, c'est bon, j'ai déposé la pizza. Bon, en tout cas elle a l'air d'être vraiment vraiment bonne. Puis regardez, 4 fromages, il y a aussi un peu de chorizo dessus et tout. Franchement je la mangerais bien. Non mais en vrai j'irai m'en préparer une après pour moi. Qui ça qui est bonne? Bah je parlais de la pizza. Mais du coup vous avez la monnaie, ça fera normalement 9,50€. Ah ok, pourquoi? Oui, tenez, ouais, bah merci beaucoup, je pensais tout de suite. Merci, merci, bah attends, hop, je vais me mettre dans mon pantalon. Hop, voilà. Bah du coup, vous voulez la manger avec moi? Bah non, après j'ai encore des pizzas à livrer, sinon je vais être en retard et mon patron il va me disputer. Allez s'il vous plaît. Non mais vous inquiétez pas, hein, je vais repartir. Parce que comme je vous ai dit Ah bah en plus regardez, j'ai un appel. Allô? Oui, bonjour monsieur. Ah, ce sera pour une pizza chorizo? Ok, bah j'arrive tout de suite, je vais la préparer. Là je suis encore chez une cliente. Pas de soucis. Envoyez-moi directement votre adresse par message. A tout de suite. Ok, donc là ça fait une pizza encore en plus. Donc j'ai une pizza chorizo à préparer. Bon du coup, au revoir madame. Tu vas rester ici. Bah non, j'ai une pizza à faire. Ah, elle a... Mais pourquoi elle a sorti un taser? Mais qu'est-ce que vous faites madame? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais elle va me toucher hein. Mais elle est folle. Mais pourquoi elle me... Tu ne sors pas d'ici. Mais moi j'ai des pizzas à faire madame, pourquoi vous voulez pas me laisser sortir? Laissez-moi sortir. Je vous ai rien fait.
Allez, monte dans la chambre. Non, 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 je vais pas monter dans la chambre. Non, 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 arrêtez. Pourquoi? Déjà, il y a une pizza à manger. Mangez votre pizza, madame. Bon, les amis, je vais essayer de trouver un moyen pour sortir. Ce que je vais faire, c'est je vais peut-être descendre. Regardez là-bas, il y a plein de choses et tout. Peut-être qu'il y aura une clé à molette ou j'en sais rien pour sortir d'ici. Et en attendant, je vais lui dire de manger sa pizza et on mangera après. Toi, monte. Non, mais mangez un petit coup. Est-ce que je peux aller voir un peu dans votre sous-sol, toute l'automobile et tout? Parce que c'est vrai que j'adore l'automobile et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien voir un peu ce que votre père a et franchement, ça pourrait être cool. Et après, vous inquiétez pas, hein, je vais venir manger la pizza et je vais monter aussi. Et je vous jure, madame, hein, après, je vous promets, je monte. Ok, Bon, ça c'est du mytho, bien sûr, hein, mais c'est juste pour pouvoir sortir. D'accord, tu as 5 minutes. Ouais, à tout de suite, hein, je vais regarder un peu ce que t'as de beau comme automobile. Bon, les amis, il va falloir vraiment se dépêcher. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, est-ce que là, il n'y a pas des choses dans le carton que je pourrais prendre? Non, il n'y a rien. Ah, ici, il y a une boîte à outils. Ah, mais il y a aucun outil, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a une boîte à outils sans outils? Ah, ici, regardez, il y a un marteau. Ok, j'ai pris un marteau. Bon, on s'en fout de l'ordinateur. Pourquoi il y a du feu? Attendez une seconde. Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte. Ok, je crois que ça a disjoncté. Oh! Ah! Mais comment ça? Elle m'a défoncé mon scooter! Comment ça, bien essayé? Oh! Mais regardez! Ah! Mais en plus, ça me brûle! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais regarde! Elle... Non, 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 non! Arrête, arrête, arrête! Mais en plus, regardez, elle fait ça sous la pluie! Non, mais elle est folle avec un taser sous la pluie, quoi! Mais laissez-moi partir! Elle a défoncé mon scooter de travail! Qu'est-ce que je vais dire à mon patron, moi? Non, vraiment, je sais plus quoi dire. Vraiment, elle m'a terrorisé. Rentre et va dans la chambre. Mais non, j'ai pas envie d'aller dans la chambre. Non, par contre, les amis, je suis obligé, là, avec son taser, là. Elle me fait trop peur. Elle me fait trop peur, mais regardez. Mon pauvre scooter. Mon pauvre scooter. Les amis, mais je sais même pas où elle est sa chambre. J'ai pas envie d'y aller, regardez. Va dans la chambre, vite. Mais elle a même pas encore mangé sa pizza. Regardez, la pizza, elle est encore intacte. Oh, j'ai envie de manger, moi. Je viens de manger la pizza. Elle est déterminée, hein. Je vais où? Je vais où? En face. Ah, mais c'est pour me montrer ta... Oh, mais votre lit, il est incroyable. Regardez son lit. C'est une voiture. Va dans le lit. Ah non, j'ai pas envie d'aller dans le lit. Bon, d'accord, je vais dans le lit. Je suis dans le lit. De toute façon, je suis bien obligé. Pourquoi je me retrouve dans un lit voiture? Attends-moi. Ouais, d'accord, d'accord. C'est bon, je t'attends. Les amis, je peux pas l'attendre. Regardez, elle est partie prendre sa douche et tout. Non, non, moi c'est sûr, les amis, je vais faufiler. En tout cas, il faut surtout pas qu'elle m'entende. Hop, je pars. Et là, il faut surtout que j'aille préparer ma nouvelle pizza. Parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai un client. Et franchement, j'ai pas envie de décevoir mes clients. Surtout de décevoir mon patron. Déjà, qui va savoir qu'il y a une fille qui a totalement brûlé son scooter. Je pense que ça va vraiment l'énerver. Regardez, mon pauvre scooter, il est là-bas en bas. Et en plus, regardez les amis, comment il pleut. J'ai tout sauf envie de marcher sous la pluie là. Bon, heureusement, j'avais encore mon parapluie. Je l'ai récupéré à côté de la porte, mais c'est dingue de tomber sur des personnes comme ça quand même. Hein. Elle me laisse même pas travailler tranquille. Ok, ça va, on est rentré. J'ai posé mon parapluie ici. Je vais aller faire la deuxième pizza et on se retrouve directement pour la deuxième commande. Ok, c'est bon, je peux éteindre le four. Je vais prendre ma deuxième pizza. Bon, normalement, là, je suis déjà en retard. Ça, c'est la galère. Et normalement, il y a un deuxième scooter, mais je sais pas où il est. Voilà, je reprends mon parapluie. Hop, ok. Bon, déjà, là, je suis un peu plus à l'abri. Est-ce qu'il y aurait pas mon scooter? Normalement, il y a un autre scooter. Le patron, il m'a dit à moins 2-3. Ah, bah, c'est bon, regardez, il est là. Ok, tant mieux. Bon, je pense que je vais garder mon parapluie sur le scooter parce que bah, ça, c'est un truc qu'il faut pas reproduire, surtout. Hein. Il faut pas conduire avec une seule main, mais moi, je le fais parce que j'ai pas envie d'être mouillé. Bon, alors, normalement, la deuxième personne, elle m'a dit qu'elle était dans la résidence des chênes, donc on va aller voir ça. Ah bah, les amis, je crois que j'ai trouvé la maison, c'est celle-ci. Bon, on va aller voir s'il est à l'intérieur, j'ai pas l'impression. Déjà, je vais garer mon scooter ici parce qu'au moins, il sera pas mouillé. Hop, et maintenant, plus qu'à aller sonner à la porte. Bon, je sonne à la porte, mais il y a personne qui vient m'ouvrir, je comprends pas. Monsieur, est-ce que vous êtes là? J'ai vos pizzas. Ah, votre pizza. Celle au chorizo. Monsieur? Bon, je sais pas s'il est là. Bon, au pire, je vais déposer la pizza et il payera plus tard. Hein, parce que, bah, il faut pas non plus que je parte sans donner la pizza. Ok, bon, je pense que je vais poser sur ce coin-là. Hop. Ah! Allez, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là, ici, elle? Mais elle est folle! Les amis, je peux plus bouger. Elle m'a tasé. Je t'avais dit quoi? Ah, les amis, je sais pas, j'ai l'impression que je vais m'endormir. Les amis, j'ai un mal de crâne, là. Oh.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis où là? Mais où est-ce que je suis? Ah! Mais c'est qui ça? Oh! T'es qui toi? Ah, j'ai adoré te faire des bisous! Mais t'es qui? Attendez, mais les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je me sens pas bien là. Ah! Oh. Mais. Je sais pas, j'ai un. Bon, tu peux partir maintenant, j'ai eu ce que je voulais. Je sais pas les amis, j'ai des souvenirs qui me reviennent, je crois qu'elle m'a fait des bisous. Mais pourquoi elle m'a fait des bisous, je comprends pas. C'est n'importe quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive plus à marcher. Mais ah oh, mais ah mais c'était chez la cliente de tout à l'heure. Mais c'était chez la folle. Mais pourquoi je me suis retrouvé ici là? Ah oh. Ah oh, les amis, ah, un peu d'eau ça fait du bien là, c'est juste... oh. Ah ça me réveille. Ah c'est bon, j'arrive à enfin ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qu'elle m'avait donné là? C'était qui cette folle? Ah les amis, faut vite que je parte parce que quand tu vois ce qu'elle vient de me faire c'est n'importe quoi, elle m'a fait plein de bisous et c'était trop nul. Alors que moi j'avais des pizzas à livrer, c'est quoi ce bordel? Mais il est quelle heure? Oh, mais ça fait 2 jours que je suis chez elle. Mais c'est pas possible. Bon les amis, moi je dois vraiment me dépêcher, je dois aller continuer à faire mes pizzas et puis surtout il faut que je prévienne mon patron pour le scooter. Et le deuxième scooter il est où? Ah là franchement les amis, je suis vraiment mort là. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et surtout de mettre un énorme pouce bleu. Vous pouvez aussi vous procurer mes t-shirts qui se retrouvent dans la description dans mon gros Roblox Zartek. Il n'y a pas que celui-là c'est une édition limitée qui n'est vraiment pas chère et qui va rester que quelques jours. En tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui vont l'acheter. Maintenant allez voir une de mes autres vidéos qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans quelques instants sur la vidéo sur laquelle vous allez cliquer. Allez les amis, moi je vous dis gros bisous à tous.